Plus de 90 personnes sont venues dernièrement écouter les conseils avisés de Denis Santomo, fonctionnaire de police au centre Burgère de Rombin. Rentrant dans le cadre des activités à destination des seniors et mise en place par le Centre communal d'action sociale de la ville, cette conférence débat avait pour objectif de sensibiliser les personnes présentes sur la sécurité. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous, la police nationale contribue à apporter des conseils pratiques afin de mieux se protéger contre les cambriolages, les vols, les escroqueries ou les accidents. Ainsi, des exemples concrets ont été abordés au cours de cette conférence. Par exemple, pour se protéger contre les cambriolages, pensez à équiper votre porte d'un système de fermeture fiable, protégez vos fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles ou barreaux, ou encore ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres. En cas d'absence, avisez vos voisins ou le gardien de la résidence, placez vos bijoux et valeurs en lieu sûr, ou encore ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indiquerait la durée de votre absence. Denis Santomo a ensuite abordé le vol à la tire, le vol au distributeur de billets ou les réactions face à une agression. Autant de thèmes permettant de faire face à la ruse de certains agresseurs. Pensez également à adhérer à la vie locale, rencontrer d'autres personnes de la vie associative, des parents, des voisins, susceptibles de vous assister lors de vos démarches quotidiennes. En un mot, ne restez pas isolé, participez à la vie de votre quartier, car l'isolement est un facteur supplémentaire d'insécurité. Enfin, en cas de doute ou d'événement inhabituel, il vous reste à composer le 17, une équipe de policiers sera aussitôt dépêchée sur les lieux.